changer ses habitudes. Laisser son vieux diesel au garage et se faire prêter par la métropole un vélo à assistance électrique, c'est possible. Les mamas, les maisons métropolitaines des mobilités alternatives, accompagnent les habitants de la métropole dans leur démarche. Le but, c'est vraiment de sensibiliser à la pratique du vélo au quotidien pour le rendre accessible aux riverains et vraiment axer la proximité, donner un service convivial qui donne envie aussi aux gens de venir, de se renseigner. Apprendre à pédaler, emprunter un vélo à assistance électrique, regonfler ses pneus, tous ces services sont accessibles gratuitement dans les mamas. Une nouvelle a également vu le jour dans le centre de Pessac. Maison métropolitaine des mobilités alternatives, c'est une maison qui est issue du plan vélo voté par Bordeaux Métropole et qui vise à promouvoir le vélo sur les différents services et notamment le prêt de vélo aux métropolitains. Vous avez un vélo qui peut être prêté soit sur 10 mois ou 2 mois selon le type de vélo. Vous pouvez aussi aller dans les réseaux des maisons des mobilités qui sont à 4 sur l'ensemble de la métropole. Vous avez ici différents types de vélos, ce qu'on appelle les vélos spéciaux, vélo cargo, assistance électrique, un vélo pliant qui permet aussi d'aller dans les transports collectifs, un vélo classique, là, normal, et un vélo à assistance électrique. Il y a aussi un tricycle pour les personnes à mobilité réduite. Alors, si l'aventure vous tente, rendez-vous dans une mama et vous repartirez peut-être sur l'un de ces vélos et rejoindrez ainsi la communauté des 80 000 cyclistes de la métropole.